Ça c'est très important parce que faut prendre la dépit en l'air pour nous arriver à terre maintenant. Donc c'est Ariel Henry qui bloquait justement l'installation de Joseph Lambert là. Nous discutons avec elle, il dit que lui-même, il n'a pas une mission ça. Okay. Nous dit et le protocole d'entente. Il est Salvin Joël, il dit que le protocole d'entente là, il était fait, mais lui-même, il n'a pas fait bicéphale. Et depuis le Sahara, nous-mêmes nous dit attention, son bagage que nous t'entendons, vous étiez présent. Mais comment qu'elle fait décider de parler lui-même pour le dire que mais, pas canon. Comment nous-mêmes tout, comment les monde qui t'a signé le protocole de tout ça, comment nous, comme si nous juste assister sa fête, le détourner le délit et puis. Et moi le jour, c'est pas même assister. L'on arrivé pour que nous passions à l'exécution maintenant de l'installation du président, les îles pas rentrer la dalle. Et ceci a amené cette rupture. Parce qu'il y a la note, nous sommes quoi songer aujourd'hui, que nous dit, nous retirer soutien. Avec Ariel Henry. Okay. Maintenant, quelles sont donc ses intentions cachées? Maintenant, est-ce que c'est pas le jeu du blanc qu'il est en train de faire? Est-ce que nous rencontrons Daniel Foot? Est-ce que Daniel Foot lui-même, comme envoyé spécial, lui était pratiquement dans la même route là avec Daniel Henry? Comment blanc lui-même, il comprend une question ça? Écoute, moi pense que justement. Le groupe les Américains. Moi pense justement que blanc, Gonjan, lui manipulé. Et. Nous-mêmes haïtiens, nous portons tête nous dans la question. Ok. Nous pas qu'à gagner un projet d'exécutif bicéphale, que la Constitution dit c'est ça, que un accord, même si tout le monde va entrer là-dedans, mais un accord global quand même qui est fait, et on vient après réfléchir ça blanc passé. Ouais. Parce que dans blanc, il y a deux tendances. Oui. Au départ, après l'amour, il y a l'ambassadeur qui était là. Bien, bien. Et l'ambassadeur, lui-même, il était toujours au exécutif monocéphale. Monocéphale, Et me passer influence li, li agit en pile sur Ariel. Sur Ariel. Et là, que Américain vient désigner un envoyé spécial, moi j'ai vu un autre discours. Ok. Côté envoyé spécial, ça, lui-même, il dit que dès qu'il y a une entente haïtienne, il entre la donne. Donc, moi, je pense qu'on a influence, peut-être au départ, qui était bon, mais écoutez, le premier ministre Ariel, le premier ministre et le président, le Bibon Bouli, qui est allé avec elle, oui, le Québec, et mon deuxième approche, et c'est en fonction de deuxième approche, ça, Louko, que je dis à moi, penser que le premier ministre Ariel, nous pas de droit aller. Okay. Nous avons fait un sacrifice. Nous pas de droit aller, justement. Non, nous pas de droit aller. Nous avons fait un sacrifice. Nous pas de connaître son cas, c'est le tout. Non. C'est pas le nous fin fait pour mieux la solution. La vidéo de nous là. Exact. Moi te dis nous pas parler. Mais nèg dit ensemble nous avons pris une décision nous parler. Me dit pas un problème. OK. Et c'est pour cela nous bien fait pour commencer dans jeunesse là. Non, faut commencer dans jeunesse là. Parce que pas que matin de son l'école. Nous te dit téléphone capable du. Nous te dit que moi même personnellement moi te dit il y a deux conditions. OK. Pour accepter. Question ça, chaye chaude, quand le fouad. Moi te dis, m'a pas l'entrée nous encore seul avec Ariel Henry, faut son accord inclusif. Très bien, très bien. Et moi te dis, et tout quelle position ça? Position ça. Très bien. Et moi te dis, forme éclaircie, forme plan sécurité que n'a proposé à, yo d'accord, ou du moins, yo proposé yon qui bibou asem. Ok. Ça fait deux. Ok. Et m'a dit, la dernière chose, faut éclaircie, question bicéphale là. Faut clair sur ça. Parce que Ariel Henry vient d'adopter une position monocéphale. Oui, oui, bien sûr. Donc nous-mêmes, et c'est quoi ça l'opinion, le sénateur là-dedans? Il faut que nous, dans l'opinion, je dis à la, c'est que tout le monde croit que nous avons une position que nous avons gagnée avant et que je dis à nous changer de position. Non, du tout. Du tout. Donc je ne parle pas de ça parce que quand même, les tweets en fait de André Michel sont là. Côté que l'idée déjà dit que Ariel Henry donc inconstitutionnel, illégal et que. Et même en fait parole barbecue qui parlait dans l'opinion et puis je dis à même Mounsa que nous pas d'accord avec lui et que nous et en plus nous pas dans la question monocéphale là et encore voilà que je dis à avec Ariel Henry sous question monocéphale. Très bien, comment dire l'opinion nous même. Ok, premièrement Fandi et André Michel un ami li pas dans signataire protocole que nous avons choisi Ariel Henry. Ok, dans la résolution li pas là-dedans. Ok, très bien, très bien. Li même c'est SDP, l'IOTG ont l'autre position. Le secteur démocratique, d'accord. Maintenant, la question de bicéphale, c'est le premier point que Mchita, sénateur Lambert, sénateur La Tortue, Ariel Henry, je crois député Aoudan. Okay. C'est le premier point, nous Chita, parce que t'es gros problème de bicéphale, très bien. Lui-même, lui, non monocéphale, c'est le premier point, nous t'es doux éclairci, on va nous garder à quoi. Faut dévacuer ça. Et nous avons entendu ce qui suit. Ceci a été stipulé
dans l'article 2 de l'accord. Dans l'article 2. Qui dit, dans l'attente du rétablissement de la présidence de la République. Dans l'attente. Et dans l'attente, le conseil des ministres, dirigé par le premier ministre, exerce pleinement et effectivement le pouvoir exécutif conformément à l'accord et tel que défini par la Constitution. Bien, bien. Nous te dit que nous privés en consensus côté bicéphale n'a pas appliqué la deux étapes. Bien, bien. Comme pour un consensus sous question Lambert, la présidente. Oui, président, oui. Maintenant, on va mettre en place un gouvernement qui va exercer ce rôle-là, mais nous pour aller vers l'établissement du président de la République. Bien, bien, bien. Ça, c'est l'article 2. Ça, c'est l'article 2. De bien, mais, forme du bagaille, article 2, hein, mais comment nous avons défini l'accord, dans le dernier accord que nous avons écrit. Dans l'attente des conditions politiques nécessaires et des procédures consensuelles pour le rétablissement de la présidence de la République, le Conseil des ministres et le Premier ministre, conformément au présent accord, exerce pleinement et effectivement le pouvoir exécutif. Bien, bien. Dans ça qui sortit. Il a dit que ailleurs, par exemple, fait ça voulait. Non. Sans le Conseil des ministres. Non. Sans le Conseil des ministres et dans la tête du président. Bien, bien. Et jusqu'où il va gagner. Maintenant. Il va faire ça le voulait. Maintenant. Donc c'est sous base ça qui fait que nous t'allons. C'est sous base ça qui fait d'aller commencer. Commencer par là, monsieur. Par là, monsieur. Ok, bien, bien. Maintenant, comme nous. Moi, c'est ça. Ça, il était clarifié. Il était clarifié. Justement, parce que l'opinion. Parce que l'opinion passée, nous faisons le céphale. Non. Ouais, nous tenons bicéphale. Non. Et puis, qu'on y a pour faire bagaille poste. Non. Ça qui dit. Du tout. Et que nous, qu'on y a, nous d'accord. Donc, aller donc, vers le monocéphalisme. Non. Nous établissons que nous faisons par étape. Ok. Et tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'est ça qui n'a accord final que je dis aux jeunes. Ok. Maintenant, ce qu'on a fait, ils ont modifié. Et malheureusement, les cap gardés au passé, les cap qui s'y est, pas gardé, pas li, yo pas li. Yo retire un petit mot. Donc texte initial là, c'est pas même négocié là, t'es gain conformément au présent accord. Au présent accord, très bien, oui. Parce que c'est l'accord qui est la loi. C'est l'accord qui est la loi, oui, bien sûr. Yo dans le texte yo signé, c'est dans l'attente du rétablissement de la résidence, le conseil des ministres dirigé par le premier ministre exerce pleinement et effectivement le pouvoir tel que défini par la Constitution. Ça veut dire que monsieur Tsoukou, monsieur Obaï, oui. Premier ministre là, rôle constitutionnel, donc l'accord ne tient pas. Ça, c'est une ah oui, rendu. Parce que faut être dit conformément à cet accord. Qui est dans le texte initial là. Oui. Correct. Et dans le poil signé, l'homme garde moi, ça va la donne. Alors, premier accord. Alors que le texte adopté, c'était conformément à l'accord. Alors, dans le premier accord, et sénateur la tortue, c'est à comme mettre en veilleuse constitutionnelle. Pour que nous passions à la loi spéciale qui est cet accord. C'est d'accord, bien. Maintenant, c'est un accord que tu as légitimé. Maintenant, nous redonnons au Premier ministre le pouvoir tel qu'il est défini par l'article 59 de la Constitution. De la Constitution. Qui dit, en l'absence du président de la République. Et c'est texte à l'ordre négocié. Hein? C'est texte axien. Alors, ça qu'on va signer. Ça que fait. Ah, pas signer. Non, moi-même, forme de. Je vais relire le texte parce que je ne vais pas signer. Mais ça que fait nous pas signer. Ok. Ça extrêmement important. Alors, moi souligne ou anomalie. Oui, c'est première fois me dire dans ma débat. Ça très important, ça très important. Maintenant, ça que fait une passe. Ben, fait pas lisa. C'est normal ça n'a même pas tout dans tout problème ça là, oui. Négan ni confier papier depuis temps de faire bagaille, mon cher pouvoir, mais et puis m'a regardé de Michel Langui dehors. On donc on petit chat pas. On et puis ici hein. Pendant ce temps, tu es au courant de pour premier texte, Inch'Allah. Il y a même le deuxième texte. L'année qui est rapide. Maintenant. Il n'y a pas ça, il n'y a pas lu ça et puis il n'y a pas de paix dans tout problème. Maintenant, et le gros point pour m'éclaircir avant, le premier ministre, depuis la première réunion, il était dit sous table là. Et le principe a été accepté. Tout le monde qui est sous table là, n'a fait à quoi, monsieur? N'a fait de signer, m'a chita avec nous pour me faire gouvernement. Ok. M'a pas pris aucun engagement envers personne. Est-ce que nous d'accord à ça? La signature d'accord. Hein? Non. Depuis la première réunion. La première réunion. Avant quoi? Avant quoi? Il dit la bonne feuille blanche devant pour le faire gouvernement avec. Ok. Donc, pas de aucun monde qui te prend, il te prend engagement avec elle. Parce que tu as X ministère. Non. Monsieur te dit la bonne feuille blanche devant. Correct. Et tous les postes sont disponibles. Ok. Laisse à la signer à tout le monde qui est d'accord là. En d'accord là, très bien. Nous avons adopté ce principe à la première réunion et à la dernière réunion du jeudi. Ok. Donc, l'homme n'a parlé de force, bah, c'est mon avis. Oui, quand même. Vous voyez monter, mais pas de aucun monde à ma connaissance qui a gagné un engagement, ni prévu ça pas pour engagement envers. Depuis au départ. Depuis au départ. Maintenant, dans la première réunion, ça a l'occasion qui était faite à la primature. Dans la première réunion, on m'a posé deux conditions. Moi, dit Premier ministre, songez que nous avons gagné un bail déjà qui était très mal passé. Je dis à moi, là pour deux raisons. La question sécuritaire. Ma fond plan sécurité. Parce que si que
nous arrivons là, nous pas résoudre question sécurité. Ouais. Fontamara bloqué. Nul. Pas rien. Premier ministre a dit oui, sénateur, ce sont des détails. Il n'y a pas de détails. Oh, pas de détails. Je vais y aller là. Oh, nous sommes détails. Oui. Je vais y aller là. Mais alors, nous sommes détails. C'est ce qui est là. Je dis, premier ministre, c'est pas de détails. Si nous pas d'accord, ça à la papote qui doit aller. Ouais. Et puis, on dit, sénateur, l'entends-tu, ou de mettre écrit parti sécurité à d'accord. Donc, tout le monde vit d'accord okay. à la fin que sur le plan sécuritaire, la pécril et ma fond plan que ma promette le lendemain. J'ai fait le plan, moi je vais mettre à premier ministre, moi je vais mettre à la police. Le lendemain. Ou le lendemain, et le lendemain, je travaille sur quoi m'écrit parti sécuritaire là. Qui ça le dit? Qui ça le dit? Parti sécuritaire là, c'est la mise en place d'une unité antiterroriste qui pourra gagner la dimension de bataillon. Avec 300 éléments. Parce que le problème de la police réagit par équipe et par escouade. De petites unités. Mais le problème qu'il a, l'imandé aux réactions militaires par une grande unité. Et femme dit ça, loco, pour la vérité. Tout le monde était d'accord. Il dit ça correct, sénateur, n'a pas écrit. Parce que quel que soit le gouvernement qui a vu, il faut qu'il résoudre le problème. Oui, quel que soit. Le problème, c'est pas le plan de sécurité. J'ai trouvé le soutien de tout le monde. Qui était sous table là, et du docteur Ariel Henry. Mais j'ai dit au premier ministre, à la dernière réunion, c'était le jeudi de la semaine dernière, m'a dit, premier ministre, nous d'accord sur quoi. Mais qu'on l'autre bail nous manquait. Pour mettre à appliquer sur sécurité, à forme j'ai l'adhésion, en pilote, et même seulement non. Ouais. Il y a problème, légitimité, légalité, suspicion. Correct. Faut nous inviter l'autre monde, oui. Tenez le coup, il était 11h30 du soir. Le premier ministre. L'autre dit l'autre monde, vous voulez dire ça? La commission, le tiers du Sénat. Le tiers du Sénat, très bien, La commission, marché pour la vie. Ok, Madame Como. Les jovenelistes. Les jovenelistes, très bien. Madame Como. Ok. Yo fait on lettre. Donc, vous m'avez fait tout le monde. Tout le monde, ça non, faut yo vini sur la table. Puisque nous avons fini en tête nous-mêmes. Oui, bien sûr. Faut yo vini pour yo parler avec elle. Maintenant, libre si vous parlez vini. Oui, oui. Mais il faut les inviter. Très bien. Mais est-ce que, pour pas avoir les sénateurs, est-ce que notre plan ça vous propose, ou t'es tout profité, tout mandé des GPNH là? Non. Je vais laisser le plan, oui. Alors, je vais expliquer au côté, à l'arrivée, le passé. Je vais le trouver dans le plan. Parce que le plan, pas de problème, il était accepté. Je vais le trouver, ça me demande. Maintenant, à 8h, député, il y a écrit Magali Komo. Il y a écrit le Sénat. Le vendredi matin, il y a écrit tout le monde, il y a invité. Par exemple, Magali, il a invité pour dimanche 2h. Oui, très bien. Et puis, nous dit, après, au final, se voit Mounio, le Sénat s'y est. Ça t'avait dit que. Rencontre samedi à Pata doit exister. À 3h, on m'appelle, on me dit de venir signer demain matin. Oh! À 9h. Moi, nous faisons zoom, nous dit que tout signataire, nous pas signer à quoi ça. C'est pas possible. Parce que le premier ministre doit rencontrer moi personnellement, malgré les tout le monde, sénateur Lambert, tiens Sénat, et Gédéon Jean, la commission m'a dit il faut venir, il y a une possibilité de trouver une entente. Parce que fondamentaux, nouveau CEP, nous avons entendu, qu'on y a, c'est sur la gouvernance, il faut venir. Faut venir Mon Dieu dit, il a venu. On m'appelle maintenant, à 9h, vous dit, il y a une urgence, on doit signer. Donc, vous dites, mesdames, on dit non, on va venir. Tu vas coquer. À minuit, nous faisons zoom jusqu'à minuit. À minuit, on a décidé, on a fait une réunion à 8h, pour nous parler de ça, pour que nous décidions, justement, sur ça, que nous ne pouvons pas faire. Ok. À 8h, comme bon gars, je me lever présent. Mal en réunion. Samedi matin. Là, je me moi, on bagarre à Lévis, ni journaliste à venir. Je me dis, attention. Je viens dans la signature là. Je viens après pièce, moun. Ok. Vin dim. Je me même dire au moun, quelle est la pièce que je prends là. Je dis, de toute façon, moi, libre de tout mouvement. Et que, si je suis là, je vais me déplacer. On a discuté. Le premier ministre était d'accord avec, sur la question vraiment, il faut recevoir Mounio. Mais il y a une grande majorité qui dit, il faut nous signer qu'on y a. On ne peut pas attendre. C'est plus signataire qui exigeait pour document signer. J'ai dit au premier ministre et j'ai pris la parole en premier. Je dis, premier ministre, ne pas qu'à signer. Vous avez invité Magali Komo. Comment je vais regarder cette personne dans les yeux? Comment que vous pouvez le dire que vous signez un accord et pour inviter? Il y a une grande différence entre un accord d'adhésion et un accord d'entente. L'accord d'adhésion, c'est l'on pas être la banque ou mon papier. Correct. Ou pas que l'autre banque vous fait ses signes. Parce que si on canne une banque ou vient ouvert, la banque là va discuter d'abord. Mais on tente. Et la lettre adressée, Lugo, député Josué, la lettre adressée à Magali Komo dit. C'est une rencontre pour une discussion, pour trouver une entente. Une entente. Est-ce qu'une entente veut dire une adhésion? Non. Premier ministre, vous avez écrit
Vous avez signé dans le pays, ça faut respecter parole nous. Ouais. Malgré tout, comment, ils ont décidé monsieur de signer et moi je me suis retiré. Et moi, dis-moi, ministre, on va m'aller. Je suis prêt à signer un accord inclusif. Eh je suis prêt à appliquer avec tous les autres experts le plan de sécurité. Ouais. Même dans la politique depuis 10 ans, il ouais. faut me garder la tête haute. M'pap siye ça parce que m'pap ka gade moun yo nan jwe les que m'te fin invité yo et puis m'siye et puis m'ap passe yo nan tete. Ce sont des intellectuels, ce sont des citoyens, ce sont des gens qui sont dans le pays qui occupent les secours. M'gen doit diviser avec Job Delis, m'gen doit avoir même intention, mais c'est un secteur de la population. C'est clair, c'est clair. PHTK, c'est clair. Magali Komo, bon gens qui ont passé et loko ou pa gen doit engager rien non transition comme ça sans légalité, sans légitimité. Eh on aurait toujours les mêmes problèmes. Mais que question, question qui t'a surtout réservé à pour nous poser à docteur Reginald Boulos. MTV t'a même motivation, MTV c'est même, est parti avec moi. C'est de même mais après ils ont pris la décision de signer. De même que PHTK puisque oui, de même que PHTK. Y aller, ils ont pris la décision. Je pas commenter décision. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi j'assume ma position. OK. Alors il y a un comité et groupe et Magali Komodeni en tout qui ont évité qui a lui-même by date parle pour le tourner. Est-ce que c'est pour signer ou bien est-ce que c'est pour discuter et ça c'est un bon tenu. Écoute, l'objectif c'est qu'il y a une entente. Claire. Qu'on invite le tiers du Sénat, qu'on invite les journalistes pour venir regarder et qu'il y a une entente. Claire. Et l'entente c'est pas une entente pour tout le monde d'accord non, un consensus nécessaire. Nécessaire, ouais. C'est-à-dire que ou discuter un sacrifice pour le pays. Un sacrifice pour le pays. Correct. Et là ça, loco, maintenant je viens au plan de sécurité. Pas canon la police côté que policiers yo traumatisé par des opérations qui pas réussi yo traumatisé par le fait que yo pensé nèg yo gen pi gros zam que yo m'pral prend yo m'a engagé yo dans des opérations que opération moun ki fait la bagage toute légitimité faut gagne alors en puis connait n'importe qui ça le fait yo dit massacre bébé bébé n'importe qui ça le fait yo accusé c'est clair. Et en tant que responsable qui fait formation comment on dit policier agit s'il n'a pas la nation derrière lui. Donc moi pense que les règles d'engagement de la police exigent cette légitimité, cette légalité. Le plan de sécurité, c'est une question technique. Mais les règles d'engagement sont une question légale et légitime. Ouais. Et si vous ne voulez faire ça, ils n'auront jamais un minimum de sécurité. Et donc, comment dit le Premier ministre, si il y a un accord avec un consensus nécessaire, ban 3 mois pour un résultat. Non, 3 mois, oui. Oui. Dans 3 mois, il y aura des résultats. Donc, non, nous ne sommes pas prêts à 100%. Mais il y aura des résultats. Grands résultats. Et si ça fait, si je suis entré dans le gouvernement, révoquer mon nom. Parce que, bon, engagement que nous prenons. Mais l'engagement, il y a deux conditions posées. Faut que le plan soit adopté. On est d'accord. On n'y a pas de problème. Seulement, c'est le budget approuvé à la police. OK. La deuxième chose, c'est la question de la légalité et la légitimité. Je dis à. Donc c'est une unité quand même qui tape dans la police là. Il tape dans la police là. Okay. Mais il tape un fonctionnement à part. Okay. Par exemple, on avait déjà trouvé le lieu, m'a besoin de dire. Oui, monsieur. Unité ça il tape toujours en condition D. Il tape un quartier général. Il tape un quartier général. Okay. Il tape un commandement qui est à part mais qui dépend du chef de la police. Okay. Il tape gagné 3 unités à l'intérieur. Une unité d'infiltration. OK. Une unité de renseignement et une unité de combat. De combat, très bien. Et unité ça il pas l'autre travail à fait que ça seulement. Que clean up. Clean up. Il tape ça opérer deux côtés à la fois. Okay. Et derrière cette unité, nous dit immédiatement après cette opération, l'État doit s'engager dans les quartiers populaires pour la question sociale. Eh bien sûr, parce que c'est 20 ans, 30 ans de dégénérescence qui fait grand pile jeune qui rentre dans ça. Oui, donc je dis à, si on pas d'engagement de l'État, comment ça va ça va bon, ça va bon, oui. Ah oui. Donc moi pense que je dis à, sénateur Latour, tu gagnes toute carrière d'aime. Loco, si mon côté, nous connaissons longtemps. Vous avez dit, sénateur, ça qui passe là. Non, faut que je ça qui passe là. Non, mais attendez, pas de parler de vous. Ah oui. Donc, en un mot, sénateur Latour, nous, plan ça, les pas exécuté avec l'actuel DG de la PNH. Écoutez, moi quitté question remplacement, je ne suis pas dans l'exécutif, je ne vais pas influencer personne. Je ne vais pas quitter décision remplacée ou pas. Non, mais nous. Ok. Dès que les gens quittent la cap gouvernale, la légitimité, lui-même l'a décidé. Ok. Nous avons un rapport que nous faisons. Ok. Mais je ne vais pas aborder le constat pour ne pas dire sénateur, il y a des prérequis. Correct. Il y a besoin de changer mon nom. Okay. Moi-même, je m'entrais purement dans la technique là. Et je besoin d'autorité qui a fait la légitimité. Un monde qui inspire confiance. Oui, pour que le rapport soit venu, il est évalué. Je ne vais pas décider de ça. Jusqu'à présent, sénateur, quand est là, ou sorti, ou aller parce qu'on n'a pas signé, ou
est-ce qu'on est sûr que Parlement, ça dit Sénat, pour qu'on joue aucun rôle dans ça que fait là? Sénat, pour qu'on joue aucun rôle. Sénat, pas là. Non. Sénat, ils font une résolution, elle était inappliquée. Moi-même, moi, quoi que, sénateur, t'es un rôle, et c'est pour ça que je demandais d'inviter le Sénat. Moi, je demandais d'inviter le Sénat. Et je dis, là, la sortie de la situation, c'est un accord inclusif, avec une application de plan de sécurité, un budget normal, et le suivi pour la question sociale. Voici le plan. Deuxième question, Dabmando. Vu connaissance ou expérience, tout son homme international d'État, est-ce que expérience avec États-Unis, qui ont charge dans le comme père démocratie, dans zone papa démocratie, est-ce qu'on pense États-Unis qu'avait supporté ou encore en dehors du Sénat? Pas du tout, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on a quoi signer samedi ou une réaction? Ah oui. Alors c'est là une analyse. Député. Madame, monsieur, monsieur Matéda. En intelligence, on se comprend. Ça vous dit, ça vous dit, c'est très important. On nous garde des réactions. Alors, nous ne devons pas parler de son analyse là. Donc, là, qu'on pas. Nous faut garder réactions. Donc, qu'on coupe là sur question à quoi. Moi, pense que cet accord est considéré comme les autres accords. Comme les autres accords, très bien. Ah oui. C'est une de plus. Alors que on voulait résoudre le problème. Correct. Parce que Ougo, qu'est-ce qui pensait pouvoir l'homme rivé ma gérer pouvoir. L'homme a le pouvoir, faut planifier. Faut planifier. Faut pas le faire. Faut planifier. Et c'est cette différence que m'te vle jodia que nous même pas expérience nous fait. Moi m'te que doit peut-être on le défait lui, mais jodia m'ke plus expérience. Non, oui, bien sûr. Jodia m'blanchi sur le harnais. Bien sûr. Moi comprendre pays ça. Le président, il faut dire au premier ministre qu'il n'a pas de légitimité, qu'il n'a pas de légalité. Faut me dire premier ministre là, moi m'a regardé le danger, que m'te en opposition, que m'te contre Jovenel, mais il faut intégrer les journalistes, il faut intégrer le PHK. Faut me dire à premier ministre là, pas profiter d'une situation pour penser c'est pouvoir mal gérer. Vous êtes un coordonnateur pour faire avancer une transition pour les élections. Faut me dire à premier ministre là que ce pouvoir, c'est pas un pouvoir, même si on fait consensus là, on peut jamais gagner toute légitimité. Il faut avoir les autres instances avec vous, le Sénat de la République, la Cour des comptes, la société civile, le secteur privé, pour que vous arriviez des élections fiables et viables. Nous, ouais, que Daniel Foud dit, si pas bon accord, la question des élections, c'est une ouïe vers l'échec. Mais c'est vrai, l'idée. C'est l'expression de la pensée de la communauté internationale. Sénateur, l'entends-tu? Assassinat président Jovenel Moïse. Ou de yon n'a pas mis moun que la justice tire le. Il sort de fait en tant que bon citoyen. Ou paraître devant la justice. Le docteur Ariel Henry, rapport de CPJ page 108, confirmé que li parle avec Badjo pendant soirée, pendant matinée, très tôt, dans le périmètre. Après assassinat. Le commissaire Maître Bedford Claude invite-le. Qui réaction sur ça? Très bien. Le coup, moi, m'habitue. On allait homme de loi d'abord. Ah oui. Moi, m'habitue plusieurs fois. Je traîne dans l'ULCC. Malé. Oui, allez. Je vais aller. Ou dire sénateur, allez. Oui. Bah, qu'on a rien dans l'assassinat Jovenel. Premier, moi, laissez-moi. Ou allez. Malé. Moi, je crois que la théorie principale, dès que la justice est là, il faut aller. Quelle que soit la position. Cependant, réserve que moi gagne au niveau des procédures légales. Il y a une procédure pour les premiers ministres. Premier ministre. Ça, c'est premier. Hein? Normalement, les premiers ministres dépendent de président de la République. Mais comme ce n'est pas président que là, c'est le conseil des ministres, le conseil des ministres doit statuer sur cette question pour dire s'il va aller ou pas aller. La deuxième chose, le commissaire du gouvernement, lycée essence de poursuite. Il y a trois essences. L'essence de poursuite, l'essence d'instruction et l'essence de jugement. Très bien. Dès que le dossier a sorti dans l'essence de poursuite, là, il est dans l'instruction, il revient au juge. Donc, le juge là obligé quand même. Il revient au juge d'instruction. Maintenant, commissaire, là, si j'ai une information nouvelle par rapport à ça, le dévoué, il doit faire un réquisitoire supplétif. Ok. Pour que il complète le dossier. Vous voyez, le juge là. C'est dans le cadre réquisitoire supplétif là que peut-être l'Ika Mandel. Ou bien, l'Ivoël va juger là pour juger l'attendel. Quel que soit le cas pour moi. Mais le juge est indiciel. Oui. Donc c'est son indiciel travail. Exact. Mais quel que soit le cas, moi-même, Ariel Henry, moi pense que faut l'éclaircir ça devant la justice. Claire. Moi pense
que s'il pas éclairci, il a pris ton doute sous tête tout le temps. Mais pour payer tout. Où est-ce qu'il m'a présenté les Belfort de Rivière? Non, il a tout le temps. Ah, mon cher, il a tout le temps la gueule sur l'eau. Oui, justement. Où est-ce qu'il m'a présenté? Oui. Il va dire rien. Il va dire rien. Mais si moi-même, je vais présenter la gueule. Et premier ministre, là, il a un déficit que le gagné là. Le fait qu'on a vu deux appels après. Après donc les vignons irritants, je veux dire. Les vignons irritants, et moi-même, moi, passé, faut éclaircir. Au nom de la morale politique. C'est ça. De l'éthique politique. De l'éthique politique. Moi, passé, faut éclaircir. Parce que si n'y a pas ça, la poteau en question. Et là, ça, on après, on dit tout bas, moi, on est qui est conduit, il dit que c'est tout à ça, c'est Jovenel Moïse. Parce que, il y a des gens là-dedans qui ont un mandat. Correct. Et il n'y a pas présenté. Et il y a pile de monde qui est dans le domaine. Il n'y a pas vrai du tout. Il n'y a pas assassin. Ça va le dire. Il n'y a jamais allé dans la question. Et bien, Jovenel. Mais, il y a une occasion à des gens pour que je dis à vous parler. Moi-même, je pense. Je dis à bon éclaircissement qui vous fait. Oui, pour que clair. Ariel Henry ait revêtu de légitimité et qu'il ait reprenne le commandement. C'est ça, je pense, qu'il doit faire. Bien, maintenant, l'éclair. Alors, ici, nous avons un débat. Compréhension, justement, de la situation. J'ai que le sénateur Latour tout dit là, c'est que. Gon international qui a gardé nous, gon groupe qui a gardé nous. Donc, il y a le blanc qui nous regarde. Et ouais, on va réagir maintenant sur la question encore là. Donc, il vient d'apparaître. Donc, accord, ça, son accord en plus. Ou encore, tant que tout autre accord. Maintenant, politiquement, qui est-ce qui va passer dans le pays, là, sénateur Latour? Politiquement? Qui est-ce qui va passer? Écoute. Moi, je crois que. Parce que là, quand même, c'est des faux pas que Dr. L. Oui, moi, je crois que si on a quoi en plus, il y a deux bagages. Et ça n'a pas carité sans conséquence. Oui. Dr. Ariel arrive à une légitimité et là, il y a un gros goumet à l'autre groupe. Oui, bien sûr. Parce que il pensait qu'il mettait au dehors. Correct. Deuxièmement, il n'y a pas aucun moyen de communauté internationale. Ok. Parce qu'il y a pensé son accord en plus. Correct. Il n'y a pas rentré non gouvernance qui va avoir accord global et inclusif. C'est clair. Et là ça on parle dans situation où pas gagne les moyens même pour payer employé. Même pour résoudre question sécurité. Il pas gagne budget. Et on parle dans une situation côté que par faute de moyens, faute d'action. Ouais. Et là ça pays a retrouvé non train d'enfer côté que l'insécurité, le chômage, la misère. Donc, bah, là, pire mal encore là. La vie mal. Parce que accord Ariel Henry a été doué l'accord. Il était doué l'accord, très bien. Parce que c'est un accord d'État. L'autre accord, c'est des citoyens oui, qui réglent. Mais l'accord d'État est imposable à l'administration. Et si l'accord est imposable à l'administration qui desservit des citoyens, il faut chercher adhésion. On t'a dit, sénateur Latortue, et communauté internationale t'a prononcé le favorable à l'accord. Ça ne peut pas passer. Écoutez, moi pense que la communauté internationale plus que des lignes pour faire Haïti échouer. Ouais. Parce que la majorité de monde par la donne ou tout d'accord, c'est un accord bout de ma bite ou un PCF. Et l'on prend le cas de figure devant le mur, ou on dit ça haïtien. Juste, moi-même, moi crois que il faut encourager l'accord global et inclusif. La question de monde qui pense après Dieu, il faut retirer ça dans la mentalité. Oui, ça finit. Okay? Fini. Et toi, il faut créer un climat propice pour organiser les élections afin d'avoir des élus légitimes. À travers tout ça, sénateur, mais il y a le temps qui joue contre nous. Étant comme chef d'État, responsable, pays. Écoute, c'est peut-être ça, nous t'ai accepté sacrifice pour nous faire bicéphale dans deux temps. Lundi, nous avons fait bicéphale dans deux temps. Tu sais pas que nous pas voulu installer président tout de suite, non? Nous constatons l'école va l'ouvrir. Nous constatons un pays cyclonique. Nous constatons une insécurité grandissante. Et puis, tremblement de terre qui se passe là. Tremblement de terre là. Nous constatons que l'aide de la Malgérie nous dit on mettait le gouvernement toujours. Le président viendra après. Et là, nous avons fait un plan de sécurité. Nous avons donné un temps, un mois. Que y a formé nèg yo préparé yo pour yo à l'action et puis nous avons l'autre unité nous prévoit qu'il pour kembe en attendant. OK. Et nous te dit dans 3 mois il faut avoir les résultats parce que dans 3 mois le CEP doit lancer les opérations. Les opérations électorales. Donc c'est un calcul fait en fonction de délai, en fonction du temps. Mais à partir de ce d'accord combien de temps en fait c'est les 12 mois. 12 mois à partir de l'installation du CEP. Ariel t'as plat donc pour 12 mois. Oui, à partir de l'installation du CEP, 12 mois pour organiser toutes les élections. Donc là nous t'as parlé de 2022, fin 2022. Exact. L'élection t'as faite en novembre ou bien en octobre? Octobre ou novembre 2022. Très bien. Et c'est là ça où t'as privé, qu'on t'a bien élu. Et dépendant de 7 février 2023, exactement. Ou bien des élections en retard, ou bien doit avoir un retard dans là ou que parlement installé, président installé. Maintenant le tiers restant du Sénat.
Le tiers essentiel, c'est la mort. Tu as parlé? Mandat a fini, justement, en janvier 2023. Et le ça, il a fait élection pour les trois sénateurs. Donc, moi, je crois que dans le schéma que nous avons, il manque l'accord inclusif. Il manque l'accord global. Et je dis, on n'est pas à penser parce que où tu es dans l'opposition, et bien on entend avec Ariel, et puis c'est bon. Non, c'est bon. L'opposition n'a pas fait la révolution. Ouais. L'opposition est un acteur. C'est un acteur. Les journalistes sont acteurs. PHTK sont acteurs. Regarde de 1986 que Macoupe pas la donne, 1987, pas tourner non. Non, du tout. Et là, ça va toujours frapper tête ou non mieux. Et dans mieux frapper tête ou pas, là, ça va dire pas faute pam. Mais vous êtes engagé dans l'échec. Bien sûr. Et ça fait me dire l'homme politique planifie avant de prendre le pouvoir. Avec une équipe également. Mais le politicien, dans la définition haïtienne, il prend le pouvoir d'abord, et il essaie de planifier. Il n'a pas gagné son mal fait. Donc, moi, je crois que je dis à attitude ça, que nous gagnons de parler avec des mouns. Dis-moi que depuis la fois qu'on a pris Léo, ou écrit Léo, et pour abscier, non, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages. Dernière question, sénateur, alors, est-ce que l'aspect de la réforme constitutionnelle n'est pas abordée dans le dialogue tout parce que c'est l'information, Dr. Ariel Henry toujours été accroché à la question référendum. C'est ça, l'aspect constitutionnel a été abordé et justement c'est ça. Nous t'ai dit il faut mettre sur pied une assemblée constituante qui va regarder tout le travail. Même travail que Jovenel Léa, travail université, pour travail Jerry Tardieu, pour regarder tout ce qui est fait sur la constitution. Et nous t'ai dit justement, c'est la concertation que nous allons déterminer, j'en ai fait adopter. Parce que je dis à la constitution, nous t'ai reproché avant que le patte l'affaire nationale, faut que son projet national. National, mettre sur pied l'assemblée constituante, c'est une étape. Très bien. Des gens qui vont réfléchir sur le texte là. Mais adopter à son autre bagage. Et il faut que fois ça nous t'ai abordé en l'autre façon. C'est une après l'autre. C'est une après l'autre. Donc, moi, pense que le pas qui manque nous, si as-tu ça qui fait un pressé, oui. Li pas bon, li pas bon. Ouais. Moi-même, je suis prêt. Li pas bon, là, oui, pendant que je parle là, si vous accord global et inclusif, je m'abstiens. Ma responsabilité de la sécurité, et je demande 3 mois pour des résultats. Sénateur, la tortue, est-ce que là, tout nous t'es pour chez Journal Yo, route courant, nous va discuter sur. Nous t'es mettez continuité, alors, dans la mission du gouvernement, gardez point 13 et 14. Il faut qu'il y ait continuité de ces projets, tel la question le courant, et bail courant, qu'a fait Carrefour, la route de Port de Paix, et il y a plus d'autres projets que vous avez cité. Parce que, ça qui arrive là, c'est un consensus. C'est pas une révolution. Même si en Afghanistan, qui changeait. C'est radical, son consensus qui m'a dit pour que nous lançons nous dans la continuité. Bon, même si c'est une révolution, si on a commencé à faire une route, il faut continuer ces projets et ou pas qu'à en tant comme d'État rentrer dans bagay pour essayer d'effacer. Parce que comme l'État te dépense dans ça, nous pas quoi passer non? Son budget de 2 milliards nous gagne qui faut nous faire pile fois je dis à douane pas rentrer non. Donc moi crois que Louko on est prêt. Premièrement faut mettre en tête nous c'est un consensus qu'il faut pour gérer ce pays et pour aller vers la résolution du problème sécuritaire et ensuite aller vers les élections. Sénateur La Tortue, dernière question. Dossier Maître Messène Jean-Louis. Ça te passe à Maître Messène. Mais ça te passe. Bon, je vais répondre, non, chef. Non, non, pas répondre. Dernière question, madame, monsieur. Pourquoi Maître Messène de Mongolaï? Moi, t'as loué Maître Messène. Avant encore 5 juin. Ça te passe là. Moi, je dis Maître Messène, côté question arrivé là. Après la pause. Moi, je dis, Bethesen, que j'ai une question arrivée là. Moi, je pense que dans telle conjoncture, il était bon, mais là, je ne sais pas quoi. Il va gagner, mais pas ça. Moi, je n'ai pas essayé de comment on peut réintégrer la Cour de cassation, pour que vous jouez un rôle
Mais wall ça moi k'a venir. Mais combat qui là? Bagaille yo changé. Well, baga... C'est toi le choix de mettre Mason? Non, c'était au moment du 7 février. Yeah, mm. Laisse ça symboliquement, il fallait avoir un président. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'an évolue, nous venons le 5 juin. Je venais là-bas avancer. Mm-hmm. Nous avons dit qu'il faut un premier ministre sans président. OK. Parce que nous devons jouer un consensus mm-hmm. avec mm-hmm. Et Jovenel, Jovenel pour nous dire que où voilà aller premier ministre a choisi à son mm-hmm. consensus entre nous deux. Correct, correct. Et que on nous fait pour nous faire élection seulement. Élection seulement, très bien. Donc le 5 juin, mm-hmm. j'ai expliqué à au président Michel, comme nous mm-hmm. nous avons fait un compte avec nous, oh, donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas compte, non. On vote aux paroles comme ça. Mais le quoi, mieux vaut dire paroles là. Non, mais écoutez, monsieur, mais écoutez. Mais mieux, mais écoutez, on voit politique. Oui, parce que ce sont des gens que je vais rencontrer dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Moi, aller, moi, expliquer eux. Forme du j'étais avec quand même Pierre, qui était là, Serge lui, et qui lui-même, c'est un parent, qui a aidé dans la question, qui dit il faut comprendre. Le sénateur est venu pour expliquer, au lieu de l'ouïté, nous t'en dessinons la radio. Oui, il parle. Oui, et il parle là. On va à quoi la sortie, moi, expliquer. Et puis, maintenant, l'accord du 5 juin, c'était un accord de premier ministre sans président. Mais comment lui-même lui voit ça personnellement? Il te dit, écoutez, sénateur, on connaît, et moi-même, moi pas de problème, moi connais depuis petit. Mieux vaut que Dimli. Soit il va bon ou Dimli. Soit elle a bon Dimli, mais nous ne pouvons pas de compte pour ça. Écoutez, je suis en réserve de la République. Et si c'est moi qui dois bloquer, retirez-moi. Il avait bien réagi. Alors, on va finir net. Qui est-ce qui plus. On connaît le sénateur à bon chapeau et l'homme de loi tout qui pouvoir on a dit là dans perspective de changement de gouvernement qui dessiné là qui pouvoir Ariel Henry gagner sans conseil des ministres est-ce que comment gouvernement ça après le monter Ariel Henry n'a aucun pouvoir sans le conseil des ministres aucun pouvoir là. Le statut spécial qui prévoit que si un président mourit ou bien s'il va là, qu'on conseil des ministres qui a géré, c'est le conseil des ministres qui joue le rôle de l'exécutif. Et non le premier ministre. Non. Ça veut dire que nous pas qu'un front accord qui est au-delà de la Constitution. C'est-à-dire tout ce que Ariel Henry a fait, il faut que lui revêtu du sort du conseil des ministres. C'est la Constitution qui le dit. Dans l'article 149, dans les 4 premières années, si gagné un président qui mourit, c'est le conseil des ministres. Si c'est la dernière année, c'est l'Assemblée nationale qui choisit un président. Mais Ariel l'y inscrit dans la question de lui-même qui était, l'y inscrit dans la question du conseil des ministres. En attendant que là, que quand un président entend, c'est le conseil des ministres. Une dernière question avant de partir. Est-ce que le conseil des ministres est capable de révoquer le dos? Le conseil des ministres prend toutes les décisions. Ok. Le conseil des ministres prend toutes les décisions concernant le fonctionnement de l'exécutif. Merci un peu, le sénateur Yuri La Tortue. Nous sommes contents avec Guillaume Matin.